Bonjour à tous et à toutes, c'est Adorsk. On va essayer de se dépêcher, parce que je stresse comme un porc. Là, je tremble pas trop, car j'essaye de me calmer, je respire fort. Voilà, donc on va essayer de choper le output normal que vous voyez actuellement. Donc je balance la boule. Est-ce que ça me portera changeant? C'est rien. Alors, 1, 2, 3, il rentre. Donc le output rentre, ce qui est totalement normal. On va éteindre le son. Et on va passer tant qu'elle sort de Shiny, en espérant qu'il rentre. Alors la qualité d'image est dégueu, bien sûr. On ne voit pas que le Castorno est normal. Et Shiny, pardon, qu'est-ce que je dis? Allez, on balance la balle. Putain. Putain de bordel de merde. 1. D'accord, il sort. Ok. Oh, il surveille attentivement. Oh mon dieu. Allez, s'il te plaît, rentre, connard. Connasse, pardon, c'est d'une femelle. 1, 2, putain, non. Ouh, ah là là, là ce serait dur par contre. Il fuit, ok. Oh, oh mon dieu. Ouh. Bon, écoutez les gens, voilà, donc là je sais pas quoi dire. Tu vas te faire foutre ton cul de fils de pute de ta maman. Ouh. Mon cœur bat 100 000 à l'heure là. Donc deux Shiny dans la journée qui fuit. Je m'en mettrai pas là. Je pense que c'est trop dur là. Ouh, 400 nœuds qui fuit au safari. C'est ce que je voulais, c'était ma cible. Donc là maintenant j'ai deux cibles. Donc Castorno puis Sianma à avoir. Ouh, je pense que le safari casier là, mesdames et messieurs, je pense que... Je sais pas si je vais le reprendre parce que là c'est dur, très dur. Franchement là c'est abusé. Bon, moi je vous dis à plus les gens. Oula, c'est totalement what the fuck. Donc on se retrouve là, donc devant ce dessin magnifique. Pour vous dire que là, bon, moi le safari 4G, je pense que là je vais arrêter. Hein. Je vais reprendre des chasses normales. Hein. J'ai eu ma dose d'adrénaline, d'accord, c'est ce que je voulais. Hein. Sauf que là j'ai vu deux Shiny fuir au safari le même jour. Je sais pas si je vais pas arrêter la chasse pendant pas mal de temps, enfin, on va voir, hein. Je pense que je vais continuer à chasser, hein. Mmh. On sait jamais comment... De toute façon je suis quelqu'un qui change souvent d'avis, d'ailleurs peut-être que même je vais me remettre à chasser derrière cette petite vidéo, je n'en sais rien, je pense que si, mais voilà, je sais pas quoi penser que me dire « Waouh, j'ai ma dose », franchement j'ai ma dose. Là je veux dire que je suis pas triste parce que c'est le safari et que le safari c'est la voix du safari, donc voilà, mais voilà, je sais pas si je suis le premier à avoir eu ça, mais si quelqu'un a déjà vu deux Shiny au safari fuir le même jour, j'aimerais bien qu'il m'envoie un petit MP. Voilà, je demande à voir un mec s'il a vu deux Shiny au safari le même jour, qu'il m'envoie un MP, de savoir comment lui ce qu'il a ressenti. Parce que là, moi, je ressens pas de la tristesse, mais juste du what the fuck. Voilà. Donc, je sais pas. Je sais que Castorno, ça va être... que Notor et Yanma, ça va être des recherches que je vais vite embrayer, je pense, rapidement, pour prendre ma vengeance. Mais le Safari 4G, c'est terminé pour moi. J'ai eu ma dose. Même si les deux ont fui, c'était... voilà, c'était vraiment quelque chose de très fort, donc voilà. Ça me suffit, puis je pense que je ne retournerai plus jamais au safari. Enfin, j'espère ne plus jamais craquer, et je pense que je ne craquerai plus jamais, que je ne retournerai plus au safari, parce que voilà, c'est ouf. Voilà, j'étais un ouf de l'avoir fait. Mes amis m'ont dit que c'était pas le moment que je le fasse, que dans ma vie personnelle, c'est pas top top. Mais bon, voilà, je voulais des sensations fortes, je les ai eues. Allez, moi je vous dis à plus les gens, et je vous montre encore quelque chose, donc voilà, un crossover entre Dragon Ball Z et Pokémon, voilà, deux franchises que j'adore, deux univers que j'adore, voilà, donc moi je vous laisse, et je vous dis à plus.